Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente le test du Google Home Mini. Ok Google, balance le son. C'est parti, mon Stuffy. Le Google Home Mini, il est sorti il y a quelques semaines pour 59 euros. C'est le petit frère du Google Home classique. Je vous invite d'ailleurs à regarder mon test ici ou là, je ne sais jamais, du Google Home classique parce qu'il reprend la plupart de ses caractéristiques. Alors, premier point différenciant du Home classique, c'est son design. Pour ma part, je le trouve hyper réussi. Il est dispo en trois couleurs, donc gris clair, gris foncé ou rouge. Et par rapport au Amazon Echo Dot qui est à côté, il est vraiment au-dessus à ce niveau-là. Google a voulu utiliser les textures qu'on retrouve dans les appartements, sur les canapés par exemple, et ça passe plutôt bien dans un intérieur. Il y a très peu de boutons sur le Google Home Mini. Il y en a juste un derrière qui permet en fait d'activer ou désactiver le micro. Il n'est pas très très pratique. Sur la surface supérieure, vous avez une surface donc tactile qui permet sur les côtés de monter ou baisser le son. La partie supérieure était aussi tactile pour mettre play, pause par exemple sur la musique. Ça a été supprimé parce que lors des premiers tests de journalistes, en fait, il y a des Google Home Mini qui enregistraient en permanence ce qui se passait dans la pièce à cause de cette fonctionnalité. Donc elle est plus présente aujourd'hui sur Google Home Mini. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré ce petit format, il n'y a pas besoin de se forcer pour déclencher la commande OK Google. Et en parlant normalement, même dans une pièce assez grande, et ben ça va marcher. Google a vraiment progressé depuis mon premier test du Home classique. On a de plus en plus d'applis compatibles. IFTTT aide énormément. Et en plus, Google vient de lancer en France ce qu'ils appellent les actions qui permettent en fait de communiquer directement avec des marques. Pour l'instant, il y a par exemple Akinator, l'équipe ou Voyage SNCF. Bonjour, je suis l'assistant Voyage SNCF. Avec moi, tu peux consulter le prix d'un billet de train, les horaires, les prochains départs. Maintenant, à toi de me dire où tu veux aller. Je veux le prix d'un billet de train pour Paris à 16h vendredi. Destination Paris, le vendredi 3 novembre, d'où pars-tu? Lyon. Le train le moins cher pour un Lyon-Paris sur cette période est à 65 euros. Départ le vendredi 3 novembre à vers quelle heure veux-tu partir? Point primordial pour les enceintes vocales, c'est le son. Celui du Google Home était bon, n'était pas au niveau d'un Sonos bien évidemment, mais ça suffit pour une pièce normale ou pour mettre dans une maison. Celui du Home Mini est forcément moins puissant, mais il reste quand même correct pour une petite pièce, pour mettre de la musique d'ambiance. Et si on doit le comparer avec l'Amazon Echo Dot, il est largement au-dessus. Par contre, vrai défaut, et sur le coup Google, je pense savoir pourquoi ils ont fait ça, il n'y a pas de port jack et on ne peut pas relier en Bluetooth. La seule manière de relier le Home Mini à une autre enceinte, c'est soit d'utiliser la fonctionnalité multi-room pour le pairer avec un Home classique ou un Max, soit utiliser le multi-room aussi pour pairer avec un Chromecast audio. Donc absence de port jack, ils avaient bien trollé Apple à l'époque. Je pense qu'ils ont surtout fait ça pour vendre plus de Chromecast audio. Alors, vous savez très bien la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que j'achète ou pas ce Home Mini? Pour moi, c'est si vous n'avez pas l'enceinte vocale, c'est un excellent produit juste à 59 euros pour commencer. Si vous avez déjà des Chromecast ou des Chromecast audio, il va venir s'interfacer facilement dans votre maison. Pour ma part, il ne va pas rester dans le salon, je vais garder le Home classique puisque j'ai besoin d'un meilleur son. Par contre, il va aller dans la salle de bain pour écouter de la musique tranquillement le matin. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Stuffy. Je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vais recevoir le Echo 2 et le Echo Plus, donc ça va être les prochains tests en vidéo. Le test plus détaillé du Google Home Mini est disponible en lien sous la vidéo, tout comme les liens d'achat grâce à notre comparateur interne. Vous aurez toujours le meilleur prix du Home Mini, même s'il n'est pas tout de suite amené à baisser. Et pour finir, ok Google, je te laisse conclure la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Stuffy. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. À bientôt.